Franchement, moi j'ai vu un beau concours, j'ai vu des belles parties, j'étais pas là tous les jours, mais le peu que j'étais là, je me suis bien régalé quoi. Le Covid n'a pas eu raison des grands concours de boules de l'été à Marseille. La semaine dernière, le mythique Provençal organisé par la Provence remportait un succès incontestable sur l'Esplanade Ganée. Le week-end prochain auront lieu les 12 heures boulistes et cette semaine, le mondial de la Marseillaise à pétanque se déroulait au Parc Borély. Malgré, fait rare, deux parties marquées par des incidents, les organisateurs sont satisfaits. Je pense qu'on a eu raison avec nos 400 bénévoles. Quant au mois de mars, on a gardé comme un espoir de faire le mondial. Le mondial, historiquement, ouvre l'été. Cette année, il va le fermer. De la plus belle des manières, on vient de voir une première demi-finale magnifique. Il y avait quasiment 8000 joueurs au départ, avec les femmes et les enfants, ça fait quasiment 9000 joueurs. Sur 20 sites de jeu, des conditions sanitaires drastiques, une charte sanitaire respectée. On a demandé aux Marseillais de faire des efforts et on a cru, on a eu confiance aux Marseillais de suivre ces gestes sanitaires. On a eu raison. Il a flotté cette ambiance un peu bizarre où les masques étaient tous de sortie. Mais paradoxalement, sportivement, les favoris, eux, étaient démasqués. C'est-à-dire que bien avant le début du concours, l'équipe composée de Marco Foglio, Dylan Rocher et Stéphane Robineau était présentée comme la favorite numéro 1. Et force est de constater qu'elle a justifié son rang puisqu'elle sera en finale ce soir. Franchement, moi j'ai vu un beau concours, j'ai vu des belles parties, j'étais pas là tous les jours. Mais le peu que j'étais là, je me suis bien régalé quoi. Sportivement, cette édition a tenu toutes ses promesses. Mais vivement la 60e, sans Covid, sans incident et avec un niveau sportif aussi élevé. La finale de la Marseillaise a lieu ce soir à 20h30 au Parc Borély. Elle opposera l'équipe Foglio-Robineau-Rocher à Puccinelli, Benjirono et Montoro.